Et yo les gens, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Olièche et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'un mage tempo qui a vraiment fait ses preuves dernièrement parce que c'est une liste qui est montée dans le top ladder, on la voit un peu partout. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial Principalement, c'est simplement qu'elle joue des gnome, enfin, un gnome mécanique, parfois deux, et euh, les Yeti mécaniques pour aller comboter avec l'archimage grâce aux pièces et euh, la flamme, Donc c'est vraiment basé là-dessus avec les deux images miroirs pour ralentir. On préfère ça finalement au. Euh, au tir des arcanes, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça le tour A, voilà. Le, le projectile des arcanes qui, euh, qui au final, ne fait pas toujours le taf. Là où les images peuvent vraiment tanker un peu n'importe quoi, donc ça c'est vraiment fort. Alors, il y a quelques modifs, je vais en parler. Qu'est-ce qu'on peut modifier sur la liste Donc, déjà, ce deck-là, il faut jouer si on a euh, Antonidas. Hein, on peut pas vraiment jouer sur Antonidas. Pareil pour le baume, le but c'est d'agresser et si possible d'arriver à ces cartes-là au tour 7 pour mettre une énorme pression. Euh, les changements qu'on peut faire, c'est par exemple un petit choc de flamme, tour 7. Par exemple, à la place du Taurissan, moi dernièrement je la peux modifier. Je joue sans le je joue avec la Sylvanas. ou ce qu'elle est Allez ici. Au niveau du contre-sort en tour 3, donc on a trois secrets avec les deux, ça en On a deux entités, le contre-sort. Les deux entités, on ne touche pas, c'est beaucoup trop fort. Par contre, le contre-sort, je me le fais régulièrement counter par la pièce que ramène le team mécanique à l'adversaire, vu que ça donne une pièce aussi à l'adversaire. Donc ce que j'ai fait dernièrement, j'ai enlevé le contre-sort et j'ai mis un courbe-sort. Sachant que si le mec veut jouer euh, une pièce sur un de ses serviteurs pour essayer de, de niquer mon, mon contre-sort, eh ben, ça va aller buffer une petite o 3 pour moi. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment rentable. Et parfois ça, ça n'est qu'un mal effet, soit balayage, parce que, parce que les gens ne s'y attendent pas. Ils font une pièce avant pour checker qu ce que c'est comme sort. Ils se disent ok, c'est pas un contre-sort, c'est certainement euh, dupliqué ou autre chose. Et euh, ils pensent pas au contre-sort nécessairement. Donc petit changement euh, brain, pourquoi pas, à tester. Moi je pense que c'est viable. J'ai un peu testé, ça montait. Donc là on est actuellement euh, dans le top 100. On est 63. Ça fait deux jours que je joue un petit peu. Et, et c'est vraiment solide. Ça tient très très bien. Au niveau de la décliste le reste. Bah, comme je l'ai dit, pas mal de, de petits spells. Et, et on profite des pièces méca pour euh, l'Antonidas et Flamme On peut voir les, les wii arnac vraiment en début de partie. On le veut. Le canon pour aller clean un peu facilement. Les portails, pareil. On les veut en début de partie. Au même titre que les éclairs de givre. Par exemple, dans certains match -up, Je pense notamment... Euh, bah, au match-up Mirror hein, contre le, le mage, pour aller gérer une Wyrne par exemple. Euh, les apprentis et les Savants fous, on les veut en mettre départ. Les, les, euh, les secrets, non, on veut les ramener grâce aux Savants fous. Euh, la Tislam, pourquoi pas en mettre départ si, si on a déjà une bonne main. Et euh, les intelligences, ça peut se discuter. Le reste, en général, on enlève. Et on a la pioche, justement, grâce à Cédric Azur et euh, aux deux intelligences des arcanes. Et puis on a du late game solide, du coup. Alors, en tout cas. Très agressif, on va dire. Alors, le nom du, du deck, bon bah, Don Tyrion, euh, c'est grâce à euh, cause des portails. Hein. On veut le Tyrion, c'est clairement ce qu'on veut. <laughs> Quoique, j'ai chopé un, un Antonidas l'autre fois, c'était pas dégueu. Ah, du hunt. J'ai pas parlé des match-up d'ailleurs. Euh, le hunt en général, j'ai encore du mal à avoir vraiment un avis euh, sur le, sur le match-up. J'ai l'impression que c'est assez équilibré. Ça dépend euh, lequel agresse. Ça dépend aussi de la version du hunt. Euh, L'image miroir, on peut pas la garder. Il nous faudrait une Wearn. L'image miroir on peut la garder si on a la Wearn. là c'est pas le cas donc c'est un peu chaud. Euh, le courbe sort ok Ok on a une mec correcte euh, contre le guerrier on a pas spécialement un bon matchup par contre contre tout ce qui est druid Paladin par exemple en général on, on, est, on est plus agressif on prend le bord avant, avant eux et c'est compliqué du coup euh, pour eux de revenir euh, pourquoi pas, je le savoir fou là directement pour aller gérer la tisseuse. Donc c'est un uh, mid. Donc en général, on, on doit pouvoir faire, on faire de, de bonnes choses. Donc ouais, comme je disais au niveau des matchups, euh, j'ai pas encore assez joué vraiment le deck pour euh, pour en parler. Tout ce que je sais, c'est que ce qui me fait vraiment peur, c'est les voir probablement. Les voir, c'est vraiment horrible. Les les zoos et les unlocks, peut, on, on est pas mal, je pense. Ok, bon, tant pis, on n'aura pas notre image. On ferait peut-être un, un ping là pour rentabiliser, éviter de, de perdre le board. Un petit ping, un petit trade. C'est pas extrêmement rentable, mais on garde le board. Ce qui est relativement important contre l'hunt. L'Atislam est très très bon hein, dans le matchup si on arrive à, à aller le chercher. Potentiellement, peut-être le gnome mécanique et le portail au prochain tour. J'espère qu'il n'a pas de tour 3. Pour nous laisser un petit peu prendre le board. On a, on a besoin de ça, on a besoin de prendre le board pour, pour pouvoir se permettre d'agresser. On a déjà l'antonidas. Par contre, est-ce qu'on arrivera à aller jusque là et à le poser gentiment J'en suis pas sûr du tout. Ça va bon ok. On peut aller faire le trade. De toute façon on sera certainement givrant. Donc on pourra faire remonter le gnome mécanique potentiellement. On va d'abord checker le, le portail. Allez, carion c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est même très très bon. Du coup, on va mettre ça. On va attendre qu'il nous joue à des chikers, au reb, euh, la savane, ce genre de choses. Et là, rect. Ah non, franchement, c'est très très bon l'Aldor. Hein. De toute façon, globalement, qu'est-ce qu'on veut on, veut on veut essayer d'aller chercher euh, un serviteur avec euh, 3 de mana ou plus. Parce que sachant que le portail réduit de 3 de mana le coup Et, euh, et puis derrière, bon, c'est possible, euh, quelque chose qui, qui fait de la value. Hein, le le garde euh, de, 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 de l'Aldor, c'est très très fort. Euh, bon, des, des fois j'ai chopé des merdes dernièrement. J'ai chopé les, les, les Wisps là, les, les AA pour zéro de mana. J'ai chopé une écouillère, J'ai un peu tout chopé donc. Euh, on n'a pas de serviteur, c'est vraiment horrible. là On est obligé d'aller check le piège. Le givrant, ok. Ce sera un piège à serpent alors à côté Peut-être. On ne sait pas. On va peut-être mettre l'entité maintenant. Il n'y avait pas de petit serviteur à jouer apparemment donc euh, autant. Autant l'embêter directement. Ah, s'il pouvait me mettre un Oreb là, mais je serais aux anges quoi. Donne-moi Oreb, donne. Crash Bass sera un peu relou parce qu'on aurait pas vraiment envie de. crois que Crash au on au un canon dessus. Ouais, non, ça c'est pas, pas un problème. Ça va fou. Du coup, on va récupérer un savant pour aller récupérer une entité vu qu'on joue deux entités et un courbe sort. Qu'est-ce qu'il va jouer d'autre 3 de mana Une arme peut-être Il hésite. Est-ce que ce sera tir réflexe Est-ce qu'il est qu hésite à les trade le savoir fou Pour moi, on n'est pas, pas spécialement bien. Le, le mec a, est censé avoir un bon game aussi et, avec les savanes Et euh, on n'a pas de quoi euh, lui mettre la, la pression. On n'a pas de serviteur là. On n'arrive pas à tenir le board. Bon, en même temps, avec des spells, ça va être compliqué. Allez, allez, mon ami. Qu'est-ce qu'il veut jouer le Eh le temps passe, oui ça c'est sûr. Ok, donc c'est à nouveau un givrant certainement. Le problème c'est que quasi... je suis quasi sûr que ça pièce un serpent là qui a à côté. Donc je vais plutôt aller faire juste proc le givrant. Voilà. Il y aura peut-être simplement euh, un tisflamme et canon. Est-ce qu'on a mieux Je pense pas. Là, il va nous enchaîner avec une savane, certainement, s'il l'a. Heureusement qu'on a récupéré l'aldor avec le portail. Euh, il nous faudrait vraiment des pièces là, pour l'Antonidas. Donc, si on pouvait euh, aller faire proc euh, éventuellement le, le gnome mécanique. Bon, c'est cher à hein, 3 de mana. C'est très très cher. Après, on pourrait faire euh, Aldor, gnome et euh, courbe sort. Ok, pas de savane. Donc, peut-être Docteur Boom tour 7. En général, c'est du hunt mid. Enfin, très certainement. Donc, euh, ça doit jouer ce genre de carte. Donc, l'Aldor sera toujours très très bon, hein. bon. Mais bon, après, on a comme une boule de feu pour aller le gérer directement. On verra, on verra comment, comment on gère ça. Le courbe sort va permettre ici de. De faire croire aussi que tout simplement on joue, euh, on joue une entité Quand il va voir un secret il va penser d'abord à l'entité évidemment donc on peut jouer là dessus Qu'est-ce qu'il veut faire je, comp je comprends vraiment pas là Bon c'est bien on a vraiment un bon carte advantage là hein. Là on est vraiment bien Faut juste que... Qu'on prenne ce, ce fichu board Mais je pense que ça devrait bien se passer Il me vise avec une carte, je comprends pas. Est-ce que c'est une chouette peut-être La deuxième chouette je, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Très franchement je vois pas. Ça on va le garder pour l'Antonidas du coup. Euh, et on va jouer. Je pense qu'on va jouer le courbe saut à gnome mécanique. Parce que si je joue ça en fou, je peux rien faire à côté. Je préfère jouer deux, deux, deux cartes là. On va check le piège, mais certainement voilà. Un serpent. En tout cas, c'est ce qui semble logique. Ouais non ça peut être ça peut être que ça on a check la, la tête on a check le tir de précision ouais, c'est bien c'est bien un piège à serpent donc le, le plus relou ce sera taunt ok il vient checker le il a checker le l'entité je pense ça me va ça me va on protège la flamme. Alors, du coup, est-ce qu'on irait pas trade les serpents au final Genre en mode. Euh, tac, un petit coup là, le portail, tout ça, tout ça. Parce que l'Aldor, on veut le garder pour autre chose. Je pense qu'on va les faire proc. Attention, les serpents qui proc. On enchaîne avec le portail. On met plus de cibles pour être sûr que la petite flamme aille taper dedans. En tout cas, on espère qu'il va pas nous troller. Allez, Tyrion, donne Tyrion. Ah, la c'est pas mal du tout, c'est pas mal. C'est vraiment très très bon. Par contre, on est obligé d'aller euh, d'aller trade un petit peu ça. Donc, on va devoir certainement pouvoir héros. Oh là 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 là, là, là. Du coup, on va devoir l'âme et Argus. Et peut-être même Aldor pour être sûr. Oh là là, c'est vraiment horrible là ça. Bah, ça. va, ça va parce qu'on a vraiment Antonidas et euh, Image au prochain tour. Mais euh. Il a quand même chopé la meilleure carte qu'il pouvait avoir. Euh, bon, pas il a la tête là. On peut aller dans la tête, sincèrement. J'aurais pu aussi aller gérer le serpent pour l'ordre de tuer. J'aurais peut-être dû, mais bon, il a certainement quand même encore une bête. C'est quand même un deck. Euh, je pense qu'il doit encore avoir euh, une bête pour activer au pire. Mais là ouais, on va clairement prendre l'ordre de tuer là-dessus. J'avais pas envie d'aller quand même envoyer 4 points de dégâts dans une 1-1 Ah, ça, ça sort l'ordre de tuer. Ouh petit réflexe. Les deux sont passés. Très très bonne nouvelle. Et là, il ne passe même pas. Du coup, on va se faire plaisir avec l'ordre. Toto. En Toto On a tenu, on a, on a bien tenu leur league game au final. On a combien là On a 6, 12. On a 16, on a 18. Et il nous manque un point de mana. Au final, ce serait pas mieux de le face tout simplement Je compte 6, 12, 16, 18. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va peut-être pas envoyer toutes les boules de feu on jouera pas au Tunidas, tant pis. On va en jouer une. Quoique, j'aurais pu jouer les deux au cas où il me jouait au rebe, là. Parce que au pourrait m'empêcher de jouer. Enfin, si, je pourrais la jouer quand même pour 9. Euh, pour mais j'aurais pu me dire, je vais envoyer les deux, de toute façon il n'y a pas de heal. Et, et au moins je ne serais pas gêné par le reb. Mais bon, on a mis un savoir fou en soi, donc ça, ça ne changerait. Voilà. G oh, ok, ok. Et on gagne pas mal de place, 38, ça c'est nice. Encore du hunt, ok. Toujours leur league game, on a la pièce ça c'est toujours une bonne info euh, une bonne chose je veux dire donc on a le savoir fou et la pièce c'est très très bon on va enlever le reste il nous faut si possible la weird la weird nous fait vraiment une... un gros gros travail bon la tislam c'est pas mal avec la pièce le problème c'est si c'est un aggro on n'a pas de, de tour A, on devra peut-être pièce le savoir fou mais on veut la pièce pour la tislam c'est compliqué c'est compliqué Bon, il réfléchit beaucoup. En général, un tard réfléchit moins pour le, le Mulligan. On essaie de prendre des infos. <laughs> non, on peut pas savoir là, on peut pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire Il vire tout, ok. Donc ça, c'est, en théorie, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il avait vraiment une main de merde. Donc, c'est compliqué de récupérer une très très bonne main quand on enlève tout. Ça, c'est sûr. Ah, est-ce qu'il a touché son TA Ok, c'est agro. La ah, oui, a Ok c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment très très bon c'est vraiment très très bon on va faire ça tour 1 tour 2 le savant fou tour 3 la pièce et euh, la, la petite euh, la petite pièce qu'on a récupérée du gnome du mécanique là on va aller trade ici hein. ça, il, va, il va récupérer un explos c'est quasi sûr Du coup, l'exploit dans un premier temps, on va l'ignorer. On va surtout gérer le board. On aurait pu ping, mais au final, autant aller récupérer de suite un, un secret. Et euh, dans ce genre de match-up, on n'est pas sûr de pouvoir jouer toute notre main en fait. Souvent, euh, on va se retrouver qu'il aura vidé toute sa main. Et nous, on sera encore avec des cartes en main. Donc autant jouer quand même un maximum et de profiter de l'avantage de, de, de toutes nos cartes. C'est vraiment très très important. Euh, je pense qu'on le claque de suite. On le claque de suite. ça Allez. Voilà, c'est parfait Et autant le mettre, autant le mettre Là le problème c'est s'il tape dedans, il peut se permettre de taper dedans pour... Euh, sachant qu'il a piège explos en fait en main, donc s'il fait 3 points de dégâts il le laisse 2-2 et puis moi si je vais taper j'active Donc en gros on gardera la t simplement pour faire procler les crash en premier temps Qu'est-ce que c'est C'est peut-être autre chose, dans tous les cas on n'est pas obligé de d'aller trade, on peut simplement mettre 4 points de dégâts grâce au portail et voir ce qu'on récupère, c'est pas mal C'est pas terrible terrible Après on peut jouer à temps Donc bon, ça c'est horrible dans le match-up Oh là là le portail Y'a pas de Tyrion là, ça c'est pas de thyrion. ça tu te fous de ma gueule Ah En plus elle est 3-2, si elle était 2-3 ça aurait été bien Mais là elle est 3-2 Donc elle meurt sur le piège explose, c'est vraiment C'est vraiment une saloperie Et je peux pas aller activer les pièges là, je peux pas On va le poser pour aller faire les trades ça, on peut pas le poser, on peut pas se remettre de prendre 3 points de dégâts. Attends, ça pioche instantanément. Ah! Cri de guerre, vous piochez une carte. <laughs> à quel point je joue la carte, hein? Cri de guerre, ok. Je pensais que c'était au suivant tour, on piochait une carte. Non, autant pour moi. Je, je n'ai jamais joué cette carte-là, du coup, euh, je pensais que c'était après qu'on piochait. Dans tous les cas, de toute façon, j'avais plus la mana. Du coup, on a un poulet. Super. Encore une carte à jouable. Il aurait fallu qu'on pioche un spell et c'était parfait. Là c'était pas rentable on du tout. Batte, hum. Ok. Il va aller taper ici, ouais. Il va le faire proc. Il va le tuer mais avec un réflexe. On dirait qu'il va aller le tuer. Il rencontrent un peu toute la menace que ça représente, je pense. Du coup nous simplement on va faire le trade ici je pense. Et euh, on va pas activer le, les pièges tant qu'on, tant qu n'a pas de fois menacé vraiment. On va mettre le Reb. Ah, c'est saloperie de piège. Ce serait quoi Ce serait quoi Ah, mais je sais. En Faites y sur un piège explosif sûr. À moins que ce soit il y a un Tied qui joue à la fois agro mais à la fois un peu de Game avec des Savanes. Et à côté, ça peut être un détournement, ou alors ça peut être aussi, euh, ça peut être un, un givant comme un, un piège à serpent. Des fois ça joue un peu plus YOLO. Euh, je fais ce que je veux, je change la méta. On va aller checker le premier piège. Qui est certainement l'Explo. Voilà. Par contre, l'autre, si c'est Givrant, mais est-ce qu'on peut se prendre dans la gueule Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre un poulet pour tanker Franchement, je ne sais pas là. On a combien de poids de dégâts On a 6, 9 On peut tellement lui mettre rapidement Quand votre, Quand votre adversaire lance un sort sur un serviteur Est-ce qu'il va vraiment lancer des, des sorts sur mes serviteurs Je pense pas, je pense qu'il va aller tout dans la tête Donc je suis pas sûr que je vais jouer le contre-sort Je pense que je vais jouer le poulet et, et aller piocher Qu'est-ce qu'on récupère Une boule de feu, ça c'est parfait pour le burst Ah l'entité c'est pas mal, c'est pas mal On va mettre l'entité, je pense que derrière on peut lui mettre même si c'est un détournement et qu'on prend 5, voilà détournement. Ah non, j'aurais peut-être dû jouer le poulet, je sais pas. Je sais pas. Le problème c'est que j'ai pas assez de mana pour jouer les, les boules de feu tout ça, donc euh, c'est compliqué. Ouais, j'aurais certainement dû lui mettre le poulet. Je pouvais pas prendre le risque de prendre 5 poids. J'ai trop grid là, j'ai trop grid. C'est un face, je peux pas prendre 5 poids gars. C'est beaucoup trop. Là il va nous la mettre en deux tours là je pense. En tout cas c'est l'idée. Même éclair de givre, j'aurais dû le faire. Il veut faire un ordre de tuer peut-être. Ok non c'est pas un problème. On a combien du coup On a pas assez ça c'est sûr. Donc voilà, c'est exactement ce que j'avais dit, hein. on se retrouve. Euh, il n'a plus trop de cartes, par contre nous, on en a beaucoup. Euh, du coup euh, ouais je devais pas les piocher, je devais pas les piocher, je devais pouler et il ping la tête en fait. J'ai mal joué. On va être obligé de lecteur de givre pour éviter les dégâts de l'arme. Une boule de feu dans la tête. Un coup de reb. Et là, il lui faut les dégâts pour. Finir. Sachant que nous on a la boule de faux au prochain tour. Mais on aurait vraiment dû tenter le poulet. Après, c'était pas sûr. Le détournement pouvait quand même nous mettre dans la tête. Mais on aurait optimisé. Donc là, euh, clairement, euh, c'est le genre d'erreur qu'il qu faut repérer. On peut faire des erreurs. J'ai voulu guider en piochant. C'était pas le bon choix. Je pouvais vraiment pas prendre ces poids de dégâts là. Donc même si je gagne la game, au final, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de ma game. S'il si vise Laurent, c'est qu'il a peut-être pas de solution pour, euh, pour me finir. 5 poids de dégâts quoi. Oh putain, saloperie de détournement. Ok, c'est bon. C'est bon, allez à nous. Bien joué. Donc 2-0. Donc, ouais, au final, apparemment, le, le hunt globalement ça passe quand même pas mal. Après c'est sûr que sur The Game on peut pas se référencer, mais globalement de ce que j'avais fait les autres fois, ça se passait aussi assez bien. On va en refaire une petite... Ok, démo. mots c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait jamais si c'est du zoo ou du unlock de suite. Donc euh, on peut toujours essayer de savoir par rapport à son mulligan, s'il garde beaucoup de cartes ce serait plus un zoo et inversement, mais... Mais c'est jamais une... C'est jamais vrai déjà. On va garder les deux savants fous je pense. De... C'est vraiment très très fort. Hein. On récupère des, des secrets à 3. Moi j'adore, j'adore les savants fous Ça nous assure un très très bonne early game. Ok. Je pense qu'on va de suite pièce. Yes. On va certainement choper quelque chose à jouer tour 3 d'ici là. On va, on va encore draw deux cartes. Donc au tour 2 on chauffera une carte et au tour 3 pareil. Ok, c'est un 9. Donc ça peut relou. Ça peut relou. Ah le canon, ça c'est parfait. Comme ça, s'il active son 9, on pourra de suite le gérer. Donc euh, On a bien fait, c'est de l'aggro. On a de quoi gérer, là on est vraiment pas mal. On a, on a une mec correcte. On est une mec très très décente. Donc vas-y, go l'activer. Avec un sergent grossier, y a pas de souci. Ok, il n'a pas de quoi l'activer. Embêtant. On va ah, peut-être devoir procluff et canon hein, pour essayer d'aller tuer une des deux. Ah, C'est tellement horrible. Autrement, je fais portail, image, miroir et j'attends. Demande... Les prochains tours, j'irai boule de feu. Celle-ci, éventuellement, je sais pas. Celle-là, elle, elle nous met mal parce qu'elle peut gérer les deux savants fous. Allez trade là et faire le, le canon. Si le canon tombe là, ok, je peux, je peux aller gérer le, le rip -up. Au final, ce serait pas mal. Mais c'est peut-être pas mal au final, je sais pas. D'ailleurs, je peux quand même mettre les images miroirs pour tempo. Et si ça tue de suite celle-là, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est correct. Je pense qu'on va le tenter. On va tenter le... le canon. Là, il a quand même de la bonne valeur. Allez, me troll pas. Tue la 4-4, ok. Troll LED. Du coup, est-ce qu'on image vraiment Peut-être pas, non. Non. Si les deux meurent sur la 4-4, c'est pas trop grave. Ah non, au final je pense que c'était le meilleur play je pense. Le portail, si on chopait de la merde, derrière on prenait éventuellement du retard et si repose du bord et que je sais pas rentabiliser mon canon, ça, ça peut être dramatique. 3 évidemment, c'est compliqué. Et du coup là c'est compliqué par contre. Euh, on va être obligé de Yeti 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 On peut pas ah L'entité elle, elle va servir à Ok une remporte ça me va Franchement ça me va J'avais vraiment peur d'un sergent grossier qui aurait fait zéro trade Là au moins la remporte pour aller gérer les petites 1, -1. Ça va Franchement ça va Ok il joue les golems C'est vraiment du old school ça les golems des moissons faut vraiment la l'atislam. là. La il nous mettrait, mais bien, bien, bien. Ah, c'est pas ça. Bon, faut y aller au portail, je pense. Euh, ouais. Go go go. Allez, Tyrion, donne Tyrion. Oh, ça c'est pas mal ça. C'est déjà lourd. Est-ce qu'on le met de suite maintenant Peut-être. Peut-être qu'on peut le mettre maintenant pour aller, aller gérer les, les plus gros serviteurs par la suite. Euh, et puis le petit gnome pour nous donner la pièce. Ce sera simplement son rôle. Non, le tic, c'est une très très bonne carte au final. Qu'est-ce qu'il va faire Ok, pack d'armure. Du coup, ça va buffer <laughs> notre A4. Parce que là, le contre-sort, il ne sert à rien. Hein le contre-sort, il ne va à rien. On nique juste la pièce. Alors que là, on récupère une A4. Donc, ça, c'est vraiment la force de, du courbe-sort à côté du contre-sort après le Yeti. Parce que c'est chaque fois la même chose. Une fois qu'on a joué le Yeti et qu'il y a le contre-sort qui arrive, boum, la pièce dessus. C'est très embêtant. Alors que là, là je pense que ça... ça le titille un petit peu. Il se dit, oh la foi il, il me l'a mise. Allez, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Parfait ça On est désolé évidemment, bien sûr On est excessivement désolé On est bien là, on est bien, on est bien Il nous faut juste notre late game, il nous faut Boom ou Tyrion Euh, Boom Antonidas, je veux vraiment Tyrion Je sais pas pourquoi, <laughs> donne-moi Tyrion s'il vous plaît Est-ce qu'on ferait pas mieux de piocher De toute façon on pourra jouer les deux en soi On va d'abord voir, parce que si on chope une légendaire et qu'on peut la jouer de suite, ça peut être pas mal ah ça c'est intéressant ça c'est très très intéressant quand on joue une carte à une flamme d'Azeroth Donc ça euh, on va pas le jouer maintenant je pense pas on va le jouer dans le prochain tour on va jouer le prochain tour ça va être énorme ça va être ça va être bien ouais ça va être bien on va aller piocher peut-être ici avant Est-ce qu'on a autre chose à faire je pense pas on va piocher ouais Ah la petite flamme L'Antonidas, on a tellement de possibilités là Oh là là Mais il faudra peut-être favoriser le, le board. Donc on va peut-être... Euh... On va réfléchir, on va réfléchir. Est-ce qu'on n'y pas déjà gérer la 2-2 au final Parce que le, le danger d'aller gérer une... Euh, ou c'est une puissance accablante. Là au moins, elle prend des dégâts. C'est rentabilisé, ça c'est fait. Ouais, ok. Ok. Ah j'aime bien jouer les deux, mais... Ah... On va voir. On va peut-être jouer les deux avec simplement une image miroir. Je sais pas. On va, on va essayer d'optimiser en fonction de ce que lui fait. On va peut-être pas jouer le prochain tour. Au final, on va peut-être claquer une boule de feu si on a une option. Et joue une sorte de... de méca bizarre. Allez, ici dans la tête, dans la tête, les couteaux, dans la tête, dans la tête. Ah. Et du coup, il clean un peu tout. Du coup, c'est pas si évident que ça malgré qu'on a un peu tout ce qu'il faut. Oh là 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 là. On a les deux. tellement bon, ça. On a les deux attise on va devoir les rentabiliser, mais... Le problème, c'est ça, c'est les jongleurs qu'on a envie d'aller gérer au plus vite. Oh, je peux quand même pas, genre, boule de feu le jongleur. Non, ce serait déconné. Je vais regarder la boule de feu pour autre chose. Est-ce que je joue simplement un seul attise-flamme Non, je pense pas. Je pense que je joue deux Atis flammes et l'image miroir. Je pense que c'est le meilleur play. Ouais, c'est clairement ça le meilleur play. Allez, please, Go tue le jongleur. Le jongleur, le jongleur, le jongleur. Ah, ah t'es sérieux, deux impacts qui passent là et on gère qu'une... Ah, c'est la merde. C'est la merde. Bon, après il y a les... Non, ça va, il y, y a les taunes pour gérer, mais bon... Le... Ah, ils sont foutus de ma gueule les deux. Hein. Franchement, ils sont foutus de ma gueule, on peut le dire. La boule de feu faut que je le garde pour genre garde funeste ou autre. Je pouvais vraiment pas la claquer sur le jongleur, c'était beaucoup trop euh, nap. Il va, il va y avoir du lourd à gérer. L'antonidas on va on va la garder pour un moment. Il faut qu'on arrive à minimiser un peu le board avant de le jouer, autrement il va se faire gérer un peu à ce C'est dommage, les attitants n'ont pas du tout fait le taf. Ils n'ont pas fait le taf du tout. Si au moins tuer les deux AA 1 ou bien euh, le jongleur c'était c'était parfait mais là là c'est un peu plus compliqué ok ça pioche j'espère juste qu'il passe pas les tones ah il va passer il va passer il va les m'en hein. donc il va trade il va trade là là et il va les tuer l'autre ah mais dis pas qu'il regarde funeste ça serait horrible il se mettrait tellement bien ah il veut peut-être aller trade avec la 3, ok il... il ira faire les trades là et trade là il va jouer encore autre chose la rampante je vois pas trop l'intérêt de la jouer maintenant au final. Je pense qu'il aurait dû la jouer après. Parce que là il perd perdra poids de dégâts avec le couteau qui tombe dessus. Ok, il va aller traiter le 3A dedans. Ok. Du coup on ferait lidan ici. 3, 6, 7, 8, on aurait plus de pièces pour Antonidas mais on se mettrait bien avec plat de 2A. Quand vous jouez une carte. Ouais, ok. De toute façon... On a intérêt à les gérer le, le jongleur au final, donc euh, on peut peut-être même partir là-dessus en priorité. Tant pis si on a plus de pièces pour euh, l'Antonidas, faut absolument que je, je, je favorise le board avant tout, je pense. Euh, on va faire ça, c'est sûr. On va les verser en 5-7. On va voir si, si les, les pings de la petite flamme vont gérer. Non, t'es sérieux, t'es sérieux, c'est deux pires cibles, c'est là et là qu'il faut taper. Là et là ah, je pense que je vais aller les gérer moi-même hein, autrement on n'y arrivera jamais Je pense que ouais. On va entiter et taunt le le Illidan certainement Attention elle est là Tu là Voilà Voilà Et autant de ceci Ok, parfait. Du coup, prochain tour, potentiellement Antonidas et Hopping. Et après, on aura la boule de feu quand même pour activer. Au final, l'Antonidas est bien, mais il est beaucoup plus compliqué à activer. Et il active, il combotait avec beaucoup moins de pièces. et on, on, En fait, on ne peut pas le poser si derrière il, il, il a trop de chances de se faire tuer. Donc, au final, euh, putain, mais le portail, il m'a fait rêver là avec l'Idan, Il m'a fait rêver. Ah, c'est parfait. Regardez-moi ça. Petit désolé quand même, hein. petit désolé. Allez joue mon ami, joue. Tant de possibilités. Je pense qu'il a perdu. Je pense qu'il est en train de réfléchir et qu'il se dit ouais j'ai perdu, pourquoi est-ce que je perds mon temps Et du coup il va concéder. <laughs> en tout cas c'est ce que j'espère. Après, il a l'air de jouer à un deck euh, un peu spécial. Voilà, donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il joue ça, j'allais le dire. Il joue à un deck bizarre, donc euh, je m'attendais à avoir des, des plays un peu bizarres. Parfait, on récupère un crash vase. On va peut-être pas jouer Tony Death de suite. Ouais, du coup, non, clairement, on va préférer le boom qui a plus d'impact. Du coup, avec ça, on va récupérer encore une flamme, c'est ça Vu que c'est pour une carte jouée. L'Idan, c'est la première fois que je joue aussi. <laughs> euh, du coup, on va les ping là. On va susciter l'idane pour le coup quand même. Et on trade. Ok, on a le board. Il a plus de cartes. On a l'archimage. Cette game est complètement win. Je pense que la version est bien. Je sais pas si à Sylvanas je dois la garder dans le deck. C'est un peu la question que je me pose. Euh... Peut-être mettre un choc de flamme, et encore au, au final on joue tellement le board que est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Je suis pas sûr, je pense pas. On a gagné là de toute façon hein. 7, 10, 11, 12, 13, 14. On boule de feu. Yeah. Bien essayé de sa part. Et on monte 20 Nice bah 3 wins, 3 wins. 3 games, 3 wins. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est vraiment un deck très très fort. Moi, il me plaît beaucoup. On prend rapidement le board. On garde la tempo, la pression. On a vu euh, des portails vraiment euh, assez sympathiques avec le l'Idan. Parfois, voilà, ça va un peu du rêve en plus. C'est ça qui est sympa. C'est un côté fun qu'on retrouve moins de, de moins en moins dans certains decks un peu plus conventionnels du, du style le druide ou le guerrier. Donc, moi, c'est un deck qui me plaît beaucoup parce qu'on on sait jamais vraiment comment la, la game va se passer. Donc, ça, c'est assez kiffant. Donc, voilà, je rappelle, il y, y a quelques modifications possibles, mais il faut quand même. À avoir au moins l'Antonidas et le Boom je pense pour jouer ce deck pour avoir le, le petit finish en fait partie n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire euh, autre chose avant que j'oublie j'ai commencé les cours sur one euh, School euh, je sais que j'avais eu pas mal de demandes de coaching donc voilà c'est fait après euh Vu que j'ai pas beaucoup de temps, bah j'ai mis les, le prix assez élevé. J'ai mis à 20 euros pour justement, euh, entre guillemets, ne pas avoir trop de demandes. Après, voilà, euh, si, euh, si j'ai plus de temps, je diminuerai peut-être le prix par, par la suite. On verra. Pour le moment, j'ai déjà eu quelques demandes. Donc ça, c'est cool, ça tourne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur le Facebook. Vous abonner à la chaîne, c'est pas encore qu fait. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. Moi, tu dors, plus t'es fort. On me l'a demandé, celle-là, je la remets. <laughs> Allez, ciao les gars.